Et c'est en ce vendredi 16 novembre au Jardin de Verre de Cholet pour la collection automne 2018 du festival Les Éclectiques que nous accueillons un artiste avec un parcours assez atypique, le coup de cœur du programmateur, Kepa. Et ouais, on en apprend tous les jours. Ancien champion de skate, le voici avec sa guitare en métal à nous partager une mélodie entre blues rural et rock'n'roll minimaliste, le power blues. On le retrouvera sur la scène. On l'a retrouvé sur la scène du Jardin de Verre. Et maintenant, le voici avec nous. Bonjour Kepa. Bonjour. Alors, dis-nous, comment on passe de skater professionnel à chanteur ? Par hasard. Est-ce que tu peux développer ? Je me suis fait mal au dos. Et ça m'a... Mais ça, c'est l'histoire que c'est la bio qui balance. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais là, je redis la bio, mais bon. Mais en gros, je me suis fait mal au dos et j'ai dû arrêter. Je ne pouvais plus faire de skate. Et du coup, j'ai... dans le même temps, j'ai découvert un peu tout un pan de la musique afro-américaine, notamment, mais pas que, aussi africaine. Des trucs vachement acoustiques. Ça m'a vraiment parlé et c'était... J'ai eu les clés un peu, il y a quelques musiciens qui m'ont donné les clés pour comprendre, ouais, parce qu'il y a l'enregistrement qui est ancien, donc c'est plus du tout actuel, donc il faut un peu se faire l'oreille pour commencer à apprécier ces trucs-là, quoi. C'est ça qui s'est passé, ouais. Parce que moi j'écoutais des trucs, on va dire, actuels et de ma génération du moins. Et donc voilà, j'ai vraiment, et ça m'a vraiment, je me suis retrouvé là-dedans, quoi, et... Voilà, bon, après, c'est plus compliqué, c'est ce que je réponds à chaque fois, un peu pour me protéger aussi, je sais pas pourquoi, d'une certaine pudeur, quoi, mais après, ça a aussi à voir avec, je pense, je commence à le comprendre maintenant, avec ma personnalité, un peu obsessionnelle, voilà, c'est tout un cheminement qui a fait que j'ai commencé à jouer de ces instruments, mais c'est des instruments spécifiques aussi, donc tout est lié, quoi. C'est pas facile à décrire en une phrase. Ok. Du coup, tu as fait ton premier concert lors d'une expo du photographe Brian Gaberman. Et qu'est-ce que tu as ressenti lors de ce premier concert ? J'ai ressenti comme une attaque cardiaque un peu. J'ai absolument pas du tout aimé. J'avais l'impression de... J'étais comme si je couvais un cancer, quoi. Tellement j'étais stressé. J'ai vraiment pas du tout... J'étais tel que je joue aujourd'hui, tout seul. Et donc, c'était absolument horrible. Mais j'ai gagné 300 euros en jouant juste de la musique et en buvant des bières. Et vu que j'avais mal au dos à ce moment-là, depuis quelques temps, je me suis dit que c'était quand même assez cool de boire des bières, jouer de la musique et que je sois payé. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer un deuxième concert. Puis à partir de celui-là, j'en ai fait 35 la première année sans forcer, sans avoir rien. Je connais absolument... je connaissais personne de cette industrie. Je connaissais pas l'industrie de la musique, tout ça, quoi. Et donc là, ça m'a fait un peu réfléchir. Puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre le plaisir. Enfin, je voyais dès le départ que c'est ça qui a fait que je voyais que ça donnait du plaisir à des gens, quoi. Donc ça, déjà, c'était incroyable. Parce que moi, je pensais vraiment pas faire ça. J'ai joué dans ma chambre pendant 2 ans non-stop, quoi. Vraiment parce que ce que je te disais tout à l'heure, ça me comblait quelque chose. Ça m'a comblé quelque chose, quoi. Ça m'a un vide et des peurs. Ouais, voilà, je me réfugiais un peu dans ce truc-là. Pour un peu oublier, quoi. Un peu oublier, justement, ce tracas de santé que j'ai eu et qui, à ce moment-là, était vraiment... Personne n'était au courant, ni mes sponsors, ni rien. Je vivais du skate, donc c'est un peu une situation angoissante, quand même. Et donc, la musique, en fait, c'est devenu une passion pour toi après que tu aies commencé à en faire. C'est assez dingue. Non, j'en faisais déjà un petit peu. Je gratouillais, quoi, entre mes tours de skate... Voilà, mais ça restait banal, entre guillemets. Je veux dire, le temps que je passais sur mon instrument, c'était normal. Après, quand j'ai commencé à découvrir tout ce pan de la musique, j'ai découvert ces instruments et tout, là, je suis vraiment tombé amoureux de ce son. Et c'est là où c'est devenu vraiment obsessionnel, où j'ai passé des heures et des heures.
j'évitais de jouer le matin pour faire quelque chose de ma journée, sans quoi je restais des heures et j'y étais encore à 6 heures du soir. C'était un peu ça le... D'accord. C'était un peu ça, quoi. Et donc ta musique réfère au blues. Pourquoi particulièrement ce genre t'a inspiré ? Bah, musicalement. Et puis aussi, quand je me suis intéressé à toute la vie de ces musiciens, c'était d'abord musicalement, et ensuite je me suis intéressé j'ai un peu creusé à la vie de ces gens, et en fait je me suis vraiment rendu compte que 95%, à part ceux que tout le monde connaît, qui sont devenus des stars, mais 95% de ces musiciens, et donc ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était vraiment des losers, quoi. C'était des gens comme moi, enfin, je me suis identifié à eux, je me suis dit que c'était des gens normaux, quoi. C'était des gens qui n'avaient pas un don incroyable, un organe vocal incroyable, c'était des gens... cette normalité, ça m'a vraiment touché, je me suis identifié à ça, et je me suis dit, on peut faire de la musique sans être un être exceptionnel, quoi. Donc c'est ça qui m'a vraiment... qui m'a aussi... touché. Converti, ouais. Et il y a des noms en particulier qui t'ont plus touché que d'autres ? Fred McDowell. Mais bon, après, j'ai appris et j'ai découvert ça. Mais ça n'empêche que je m'inspire énormément aujourd'hui, même avant. Je m'inspire de choses très actuelles. Je peux m'inspirer de, je sais pas moi... Je peux m'inspirer de la musique électronique, de la minimal allemande, comme une pub de lessive, quoi. Je peux vraiment m'inspirer de tout ça et je reste pas bloqué. J'ai vite compris au tout départ que en essayant de refaire au tout début, de reprendre des morceaux de musique qui m'avaient plu de ces bluesmen, j'ai vite compris que ça sonnait faux, quoi. Ça sonnait faux juste parce que je suis pas eux. Je suis pas à leur époque. Enfin voilà, faut pas. J'ai tout de suite senti que ça me procurait pas de plaisir de refaire ce que j'aimais. Enfin voilà, donc tout de suite j'ai essayé de trouver un truc qui me convenait, où je prenais du plaisir vraiment, où je me retrouvais, quoi. Donc tu t'appropriais un peu. Par la force des choses. Ouais. J'essaie, ouais. Et puis là maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'intéresse, quoi. C'est de si je peux apporter 0,01% de nouveauté à cette musique, alors ce sera la meilleure chose qui puisse m'arriver. Ouais, bah, comme je te le disais, tu es un des coups de cœur apparemment de cette année du programmateur. Je ne savais pas, je suis ravi de l'apprendre. voilà. Mais en plus, on vient d'assister à ton concert et tu vis ta musique, c'est passionné et tu as vraiment réussi à apporter ta touche personnelle. Ah je te remercie. Mais après, c'est je joue exactement comme je joue chez moi. Donc, c'est ça, en fait. Hein, c'est exactement la même chose. Pour moi, la musique, ça a été, c'est un peu une hypnose pour moi. Et d'ailleurs, j'ai vu une espèce de vieille émission à la con sur l'hypnose. Enfin, la con, n'empêche que je m'en souviens encore. Et donc, ça expliquait un peu l'hypnose, machin, tout ça. Donc, ça m'intéressait. Et puis, quand il y avait plein d'intervenants, et notamment un qui a expliqué que l'auto-hypnose existait et que c'était utilisé dans plein de domaines pour la récupération. Parce qu'en 10 minutes, visiblement, on peut récupérer plus rapidement. Enfin, bref. Mais le procédé... Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est exactement le procédé que j'ai avec la musique. C'est-à-dire que moi, c'est de l'hypnose totale. Je peux jouer 4 heures sans m'arrêter. Chez moi, c'est vraiment comme ça, quoi. Donc, c'est un peu spécial. On m'a toujours dit, la musique, il faut la partager. La musique, il faut faire ci, il faut faire... Moi, en tout cas, pour moi, pour l'instant, j'aimerais bien. Peut-être un jour, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas partagé, je ne l'ai pas vécu comme ça, quoi. Pour moi, c'était vraiment un truc hyper personnel et vraiment... Un ressenti. Un ressenti personnel, comme ça. Ouais, une sorte d'hypnose, quoi. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, après, je pense que du fait de cette déconnexion qu'on peut totalement voir, finalement, quand tu es sur scène, ça se voit, il y a une déconnexion, il y a un monde qui se crée et tu nous embarques aussi dedans. Donc, il y a un partage qui est peut-être pas voulu, mais qui est bien là. Enfin, en tout cas, je pense qu'on le ressent. Sûr.
Non, non, bien sûr. C'est... Maintenant, j'ai appris ce partage. Parce qu'au début, c'était, ça m'a pris un peu de temps d'apprendre ça. Maintenant, j'arrive à mieux, à plus, à vraiment... Je prends du plaisir à vraiment communiquer avec les gens. Surtout, évidemment, quand je vois que ça... j'apporte du plaisir ou quelque chose. Mais ça a été... ça a été un truc un peu plus de long terme, quand même. C'était pas du tout inné chez moi. Par exemple, j'ai appris que c'est un peu mal poli de faire son dernier morceau et de se barrer à la seconde, qu'il fallait juste dire au revoir aux gens qui étaient là, quoi. Mais bon, pour moi, j'étais tellement... je sais pas, pour moi, c'était pas naturel du tout. C'était pas dans mes projets de monter sur une scène. J'ai absolument pas de... une notion de tout ça, donc voilà, c'était un peu, j'ai vraiment appris sur le tas, c'est vraiment comme ça, quoi, ça s'est passé, donc. Ok. Tu parles de power blues, alors qu'est-ce que le power blues ? Mais en fait, le power blues, c'était juste, il fallait, j'avais bien conscience que en 2018, enfin même à l'époque, en 2016, le blues, c'est vraiment, franchement, je crois que c'est la musique la plus has-been qui existe, quoi. Enfin, c'est vraiment... quand tu dis à quelqu'un, tu joues du blues, putain, c'est vraiment... je l'ai vu, quoi. C'est vraiment la musique, le blues à papa, le truc, voilà. Et donc, j'ai vite compris qu'il fallait enlever ce mot, quoi. Parce que c'était pas séduisant. Et puis, en plus, c'était pas vraiment la réalité de ce que je fais. Donc, j'ai essayé de trouver un mot, et j'ai trouvé ce mot power blues qui vraiment colle pas du tout avec ce que je joue. Donc il est resté sur la bio, donc à chaque fois on me sort Power Blues, c'est vrai que c'est un peu un nom à la con, ce truc, mais on en est encore là. Mais bon, voilà, je sais pas trop définir ma musique, en fait. C'était un peu un problème, entre guillemets, professionnel pour les bookers avec qui je travaille, en fait. C'était ça surtout, quoi. Moi, en soi, je m'en fous un peu d'avoir un dénominatif de ma musique, quoi. Mais donc voilà, ils ont sorti ce mot, mais bon, enfin, je suis pas très attaché. Qu'importe. Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelques sonorités, blues notamment, mais bien sûr, un peu country aussi. Mais du coup, je me demandais, t'as tourné un peu en Amérique, Montréal, etc. Comment tu vis, c'est pas du tout raciste ou quoi que ce soit, mais comment tu vis le fait d'être un blanc qui fait du blues? Ouais, c'est exactement ça. C'était tout le dilemme. Le dilemme pour moi, enfin, c'est pas un dilemme, mais est-ce que ça, c'est ça quand je voulais dire que ça sonnait faux. Ça sonnait faux de faire de reprendre des morceaux, voilà, de morceaux de gens que je ne serai jamais, que je ne suis pas. Donc c'était ça quand je disais ça sonnait faux. Il fallait absolument qu'il y ait dans la sonorité que il y a quelque chose d'ironique pour moi de jouer du blues en étant européen, français, blanc, de classe moyenne. Voilà, il y a un truc qui colle pas, quoi. Donc il fallait absolument apporter ça dans la musique. Il fallait le faire sonner, le faire apparaître, quoi. Voilà. Donc c'était tout, ça a été un peu tout mon travail, quoi. C'était d'apporter ce truc qui est pas de là-bas, qui est un peu ouais, cette touche qui fait que ta musique est naturelle, quoi. Je sais pas, ouais, il fallait que je trouve quelque chose qui me corresponde, auquel je me sente à l'aise de jouer, quoi. Et donc on a vraiment, maintenant je travaille avec un ingé son, ça aussi c'est un peu nouveau. Donc maintenant, enfin, ma musique sonne telle que je l'imaginais, quoi. C'est-à-dire, c'est plus produit que l'instrument tel qu'on le connaît, quoi. Et donc, voilà, tout ça, c'est un cheminement qui arrive complexe, à être ici, efficace, devant vous, à Cholet. Et du coup, oui, le blues, ça fait vraiment partie de ta musique, mais tu dois être inspiré aussi de d'autres genres musicaux, et quels sont-ils ? Mais c'est tout et n'importe quoi. Absolument tout et n'importe quoi. Le dernier truc que j'ai écouté, mais c'est ça parmi des milliers de trucs, quoi. Ça peut être... putain, mais qu'est-ce que c'est ? Le dernier truc vraiment où j'ai tendu l'oreille, c'était un truc de Polo et Pan. Polo and Pan, ouais.
Polo and Pan, ok, voilà. Un truc, l'anniversaire, à 3h du mat, j'ai entendu ce truc. Je sais pas, il y a un truc qui m'a... Mais ça peut être... Ça peut être plein de choses. Ça peut être... ça peut être tout. Ou alors, ça peut être juste une rythmique, une sonorité, une ambiance, une structure. Ça peut être n'importe quoi. Voilà. J'essaye de prendre... Ça m'amuse, en tout cas, de prendre... voilà, des trucs hyper contemporains comme ça, et puis de les parfois essayer de les traduire sur mes instruments. Et avec mes instruments, forcément, ça va sonner blues, quoi. Mais du coup, c'est pas du blues, parce que ce que je joue, c'est pas des structures blues, c'est pas des trucs... voilà. Et en parlant d'instruments, comment tu as découvert ta fameuse... Enfin, blues dobro. Rock, quoi. Au final, je joue du rock, pardon. Comment tu as découvert ta fameuse dobro, la fameuse guitare métallique? C'est un instrument qui était connu aux États-Unis dans les années 30, mais très peu connu en Europe, en soi. Ben absolument par hasard. J'écoutais un morceau, je ne sais plus, sur Internet, mais il n'y avait pas d'image. Un truc vraiment vieux. Et il y avait un son de guitare, et il était fou. Et je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas entendre s'il était acoustique ou électrique. C'était une sorte... Je ne savais pas. Donc j'avais vraiment jamais entendu cette guitare. Et je me suis dit, mais le son me paraissait incroyable. Hyper gras, hyper brut, mais à moitié. Et du coup, je me suis rencardé. Et puis, j'ai vu ce que c'était. J'ai trouvé. Et ça m'a, déjà, la forme de l'instrument... Déjà, le son m'avait fasciné, puis quand j'ai vu la forme, je me suis dit, mais c'est incroyable, ce truc, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut absolument, absolument que j'essaye, que je joue de cet instrument spécifique. Du coup, j'avais, je sais pas, là, j'avais quel âge ? J'avais 25 ans, 26 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 25 ans, je crois, 24, 25. Et donc là, normalement, on achète une bagnole, quoi, avec ses économies. Ben moi, j'ai foutu 4000 balles dans une guitare que j'ai fait importer des États-Unis, que j'ai jamais essayé. Et bon, il se trouve que j'ai eu du flair, parce que ça m'a vraiment... J'ai eu ce que je voulais, quoi. Et c'est parti de là. Et donc ensuite, je suis absolument amoureux de mes instruments, quoi. Tous les jours, je joue mes instruments, je me lasse pas. Je sais que c'est bizarre, il y a plein de musiciens qui adorent un peu tourner des pages une fois qu'ils ont fait quelque chose... s'aventurer dans autre chose ou et je suis assez pour l'instant du moins fidèle à mes instruments. Je l'ai vraiment, elles ont, il y a une richesse qui est assez incroyable, spécialement dans ces guitares, qui a un son spécifique, qui n'ont jamais vraiment été jouées. Il n'y a pas beaucoup de musiciens qui les ont vraiment exploitées. C'est toujours la guitare, la seconde guitare qu'il y a derrière, et puis juste pour un morceau, voilà, on prend la guitare, on fait 1, 2, 3 slides, et puis voilà, on la pose et on reprend la guitare normale. Et voilà, c'est il y a aussi ma musique, elle vient aussi de là, c'est-à-dire la passion pour cette guitare, et vraiment essayer par tous les moyens d'exploiter, de la connaître au maximum. Maintenant, j'estime la connaître le son, savoir comment elle fonctionne, comment la faire sonner, un peu entrer dans ses entrailles du son et arriver à l'ouvrir au maximum et en tirer quelque chose de pas banal pour cet instrument, quoi. Ouais, comme si c'était une personne et que tu l'avais comprise. Ouais, peut-être une personne, mais ouais, j'ai beaucoup travaillé sur cet instrument, donc maintenant je connais bien. Et c'est à savoir que c'est absolument un enfer, cet instrument. C'est un enfer pour la sonoriser. Ça s'appelle une guitare, ils ont appelé ça les guitares réseauphoniques. C'est-à-dire une guitare, c'est un système mécanique à l'intérieur, quand il n'y avait pas les amplis encore électriques. Ils avaient inventé ce système, et en fait, à l'époque, ils s'en servaient parce qu'elle sonnait très très fort, beaucoup plus fort. Elle avait un son spécial, mais ça, ils s'en foutaient. C'était parce qu'elle sonnait fort, et donc du coup, ça portait. C'était pas couvert par les violons et les voix à l'époque. Aujourd'hui, on joue cette guitare parce qu'elle a un son particulier, vraiment. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ce que je disais. Non, mais voilà, aujourd'hui, c'est un instrument à part entière. Et on n'entend pas trop, on n'entend pas cet instrument, quoi. Donc ouais, ça m'a... Tu fais partie du très 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 peu de personnes, voire même la seule à ma connaissance en tout cas, qui utilise cet instrument. Et du coup, ça fait vraiment ton identité. Non, il y en a plein d'autres qui ont utilisé cet instrument. Mais aujourd'hui,
Il y a plein. Il a été beaucoup utilisé à l'époque, à cette époque-là. Ça a été beaucoup utilisé à Hawaï, aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il n'est plus très utilisé, quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a des nouvelles techniques pour les faire sonner, pour les sonoriser, tout ça. Et du coup, ça apporte quelque chose, un instrument qu'on n'entend pas souvent de cette manière-là, de cette manière contemporaine, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. On entend aussi beaucoup l'harmonica dans tes morceaux, dans tes chansons. Quand est-ce que tu es prêt à en jouer et pourquoi ce deuxième instrument Toujours la même raison, parce que j'étais tout seul. Et l'harmonica, c'est venu... D'abord, j'ai appris à faire de l'arpège, c'est-à-dire dissocier mes doigts de mon pouce du reste de mes doigts et faire ma mélodie avec le reste de mes doigts et la rythmique avec mon pouce. Vu que j'étais tout seul et que je n'avais pas un batteur, je me suis finalement, par la force des choses, j'ai appris à faire ça. Et puis ensuite, l'harmonica, c'est venu exactement comme ça. Je voulais rajouter un peu autre chose. Et puis, bon, l'harmonica, quand on est tout seul, c'est le truc le plus facile à utiliser, enfin, le plus naturel. Et puis ensuite, j'ai découvert des harmonicas avec des tonalités très graves. Parce qu'en fait, moi, j'ai joué de l'harmonica, mais j'aime pas l'harmonica, quoi. J'aime pas trop l'harmonica. C'est pas un instrument. J'aime bien l'harmonica, justement, l'harmonica. L'harmonica de Sonny Boy Williamson, c'est un harmonica très chaud, très grave, ça, j'aime bien. Mais je suis quand même pas un grand, grand fan. Et donc, j'ai vraiment cherché à détourner un peu l'harmonica et à apprendre juste ce que j'aime de l'harmonica, c'est-à-dire l'utiliser vraiment rythmiquement et avoir vraiment des tonalités très graves et très chaudes qu'on oublie presque que c'est un harmonica. Mais ça, ça se fait pas sans un micro. Le micro fait partie de l'instrument, quoi. C'est tout ça qui m'a intéressé dans la musique. C'est ce que tu aimes, en fait, avoir une approche plutôt, finalement, seule de ces instruments, cette possibilité, en tout cas, d'être autodidacte. Peut-être, ça doit être ça, hein, probablement. Maintenant, ça fait 5 ans que je joue. Mais je ne sais pas. Après, je ne peux pas faire une psychanalyse de pourquoi j'ai joué. Hein, mais ça doit sûrement être ça. Pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'un jour, ça va commencer à me gonfler. Je partagerai plus la musique avec d'autres musiciens, je sais pas. Mais pour l'instant, quand même, je suis satisfait par mes instruments, quoi. Je m'en lasse toujours pas. Je me sens pas du tout à court de plaisir. Et à court d'inspiration, jamais non plus. Et pour l'instant, non, ça va. Je m'amuse bien chez moi. Non, je suis pas. Non, pas pour l'instant. Chouette. Comment tu en es venu à travailler avec Timber Timbre ? On a envoyé une bouteille à la mer et puis il a répondu. C'était un peu sale. C'est pas moi parce que jamais je l'aurais fait. C'est mon manager qui a envoyé ma musique à Timber Timbre et il a répondu direct en disant oui. Moi, il ne me l'avait pas dit. Il ne m'avait pas dit qu'il avait envoyé parce que je l'aurais presque engueulé. Je pense que j'aurais jamais osé l'envoyer. Et finalement, il a dit oui, donc j'ai halluciné. Et voilà. Et après, je suis allé enregistrer dans un studio qu'il a choisi à Montréal. Et c'est vraiment un musicien que j'adore, que j'admire. Ouais, c'est vraiment un musicien incroyable. Et donc, j'étais vraiment intimidé, quoi. J'étais vraiment, vraiment intimidé. J'ai pas dormi pendant que j'étais trop stressé. Enfin, je sais pas, j'étais trop... Euphorique. J'étais trop... Non, pas euphorique, parce que je m'étais tapé une tournée de 10 jours juste avant. J'étais vraiment fatigué. Mais j'étais stressé. Enfin, ouais, je crois que je suis de nature stressée. J'étais stressé. J'étais vraiment impressionné, quoi. Je me sentais pas à ma place, quoi. Je me sentais dans la cour des grands. Tout d'un coup, je me sentais dans le grand bassin sans savoir nager, quoi. Donc, j'étais... impressionné d'être avec... Mais c'est incroyablement bien passé, quoi. Mais j'en ai pas eu besoin de s'échanger 40 emails.
Il m'a envoyé quelques références de ce qu'il imaginait faire pour mon album. Je lui ai dit, bon, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Il m'a envoyé 4 liens YouTube. J'ai fait très bien. T'as tout compris, quoi. Et sur place, c'était exactement pareil. Donc ça, c'était vraiment... On n'avait pas besoin de parler, j'avais pas besoin de l'expliquer des choses en musique. Enfin, comment dire, de lui expliquer ce que je voulais ou quoi. Il savait parfaitement. Et donc, c'était incroyable là-dessus. Et puis, ces musiciens, c'est des musiciens. Ils ne sont pas au service de la technique. Ils sont au service de... Ils sont au service de la musique, au service de la... Comment dire ? Merde. La création en elle-même. De la beauté, quoi. Ils sont pas au service... Ils sont pas là pour... Ils sont vraiment là. On a pu passer 3 heures pour... Sur quel tome, les deux mesures, sur quel type de tome de batterie, est-ce qu'on va mettre un magazine pour que ça fasse tel son ? Enfin, c'était juste pour deux mesures. Voilà. Ils sont vraiment... au service de l'harmonie, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc c'était super d'être avec des musiciens comme ça. C'était vraiment génial. Du coup, ça a apporté des ambiances. C'était terrible. Il y a d'autres artistes avec qui tu aimerais collaborer ? Je sais pas. Là, comme ça, d'un côté, j'ai pas d'idée. D'un côté, il y en aurait 10 000. Mais j'aimerais bien le revoir. Taylor notamment, le chanteur, mais tous. Mais ouais, j'aimerais bien. J'ai pas eu encore l'occasion de le revoir. J'attends de pied ferme cette occasion quand même, parce qu'il se trouve que c'était bien vu de la part de mon manager. C'est vrai que c'était exactement. J'aurais pas pu rêver mieux que cette personne pour faire mon album. Puis ça m'a appris vraiment beaucoup de choses, quoi. Il a quand même une grande expérience dans la musique. Et puis c'est vrai que je suis fan de sa musique. Pour l'instant, je vois pas. C'était la meilleure personne. Donc maintenant que j'ai fait avec la meilleure personne possible, je vois pas trop avec qui je pourrais faire. Il y a forcément d'autres possibilités. Mais bien sûr, il y a des millions de musiciens. Bien sûr, bien sûr. Mais là, comme ça, j'ai pas d'idée là. Tu parlais de nager dans le grand bain sans avoir appris à nager. Mais est-ce que tu penses maintenant que tu serais apte à nager dans le grand bain avec les plus grands? Non, je me sentirais jamais apte, je crois. Ça, c'est certain. Je pourrais jamais... Je sais pas. Moi, je nage. Je fais que nager, moi, je crois. Je suis un nageur, en fait. Je suis un nageur, je sais pas trop où je vais. Je sais jamais su où j'allais. Moi, pour l'instant, je vis les trucs. Là, je commence depuis cette année, depuis quelques mois, à me dire que... Bah, que c'est ma vie, je crois. Mais jusqu'à présent... Moi, j'ai fait du skate de 8 ans à 24 ans non-stop. J'ai connu que ça dans ma vie. Ça m'a pris un petit moment quand même de me dire que je suis en train de faire autre chose, quoi. Puis il y a un truc que, je sais pas, c'est pas comme si... C'est pas quelqu'un qui dit qu'il va chez sa conseillère d'orientation, qui dit je veux me reconvertir, qui fait une formation, et puis voilà, bon, il y a la transition. Et puis après, là, c'est un truc... Maintenant, je commence à me dire que je suis musicien, mais avant, je me sentais plus escroc que musicien. Parce que moi, je connais pas la musique, je connais aucune note, je n'étais pas du tout censé jouer, quoi. C'était ça, moi, mon ressenti. Voilà. Et pourtant, tu as le talent pour, je pense. Bah, c'est sympa. Maintenant, je me dis que je peux... Déjà, je suis moins stressé. Je suis moins stressé, quoi. Avant, j'avais un trac... qui était mais surdimensionné, un track interstellaire, un truc qui était pas gérable en fait, c'était pas vivable. Maintenant je m'en rends compte, je me suis dit mais j'étais complètement taré quoi de vivre avec un track pareil, un truc invivable. Je croyais que je couvais des maladies, mais en fait non, je n'avais pas de maladie, c'était juste du track. Ça durait des 3, 4, 5 jours parfois avant des concerts, des trucs parce que je savais pas. Parce que j'apprenais en fait, j'étais en train d'apprendre. Donc forcément, quand on n'a pas trop, on sait pas trop où on va, ça fait un peu flipper, quoi. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et même si j'ai bien compris que c'est du mal à te projeter, mais est-ce que comment tu vois ton futur finalement ? Ben je sais pas, j'en sais rien. Réponse, Non, mais je vais continuer à faire de la musique, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas. Je ne suis pas inquiet pour la musique.
que je joue sur une scène ou pas, je jouerai toujours de la musique. Ça, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs trucs que j'ai croisé, hein, des meilleurs remèdes. Donc ça, c'est, je suis pas du tout inquiet en fait pour la musique. Je vais après, si les gens y viennent au concert et que je leur fais au moins l'effet d'un cachet d'aspirine pendant une heure, alors dans ces cas-là, je continuerai. Si jamais il y a plus personne, ça aura plus de sens de faire des concerts, étant donné qu'on est un dans mon groupe. Mais tu continueras à faire de la musique quand même. Ah, moi, je trouve bien ça, c'est certain. C'est ce que tu cherches, de donner par la musique quelque chose comme la musique, elle te donne, finalement. Un peu, ouais. Oui, je crois que c'est ça que j'ai cherché, sans trop le savoir au début, mais oui, oui, c'est ça, quand même. C'est de... J'ai un truc en tête et... J'ai eu un truc en tête et je voulais voir si j'étais fou, quoi, ou si ça procurait du plaisir, quoi. Et donc là, je vois que ça procure du plaisir. Ça me fait vraiment... C'est ça qui me fait faire Bayonne-Cholet. Cholet-Bayonne. Merci vraiment d'être venu jusqu'ici. Oui, merci, Kepa. Bah, merci à vous. Continue à partager. Bah, bonne soirée. Merci. Ciao. Ciao.